e-sport, des jeux où le joueur affronte, seul ou en équipe, d'autres joueurs. Avec l'organisation de tournois amateurs et professionnels de plus en plus importants et spectaculaires, l'e-sport est devenu une véritable industrie qui s'appuie désormais sur des spécialistes du sport et de la santé, mais pas seulement. L'e-sport, qui est donc la pratique en compétition du jeu vidéo, nécessite de la part des joueurs de mettre en place différents types de compétences qui peuvent se rapprocher de ce que l'on connaît plus traditionnellement dans le sport. Et notamment des compétences physiques qui vont reposer à la fois sur la coordination œil-main, mais sur aussi la dextérité ou des habiletés motrices extrêmement fines, ou bien encore des temps de réaction qui doivent être les plus bas possibles. Et donc à ce titre-là, bien que la pratique du jeu vidéo en compétition ne nécessite pas forcément une forte dépense énergétique, il repose en tout cas sur une performance motrice de la part des joueurs et des joueuses qui va leur permettre de prendre l'avantage et l'ascendant sur leurs adversaires respectifs. Aujourd'hui, la performance, d'un point de vue global, elle nécessite de prendre en considération la préparation physique des joueurs, mais aussi leur préparation mentale, grâce à des psychologues du sport, mais aussi les aspects de diététique et de nutrition, mais également des soins de récupération, comme l'accès à des kinésithérapeutes ou des ostéopathes qui vont leur permettre finalement de préparer leurs échauffements et aussi leurs étirements. Aujourd'hui, c'est vrai que la filière e-sportive, elle est en pleine phase de professionnalisation et de structuration. Et cette professionnalisation, elle est indissociable de la question de la formation. Et donc aujourd'hui, avec ce diplôme universitaire, on souhaite répondre à un besoin dans toute la diversité de ces acteurs. Et on cherche vraiment, en tout cas, à faire en sorte que tous les acteurs de la filière puissent s'y retrouver, que ce soit à la fois, bien évidemment, les équipes, les joueurs et les organisateurs, mais aussi que ce soit des personnes qui soient des parents, que ce soit des hommes, des femmes, des personnes qui soient en situation de handicap ou des personnes valides. Et donc c'est à ce titre-là, finalement, que les STAPS, et plus particulièrement les sciences du sport, peuvent apporter des outils, leur expertise et leurs compétences pour accompagner les joueurs et les joueuses dans leur accès à la performance, mais aussi à la prévention de leur santé. Puisqu'il existe aujourd'hui, depuis des dizaines et des dizaines d'années, des champs de recherche, que ce soit en sciences de la vie ou en sciences sociales, dans les champs des sciences du sport, qui ont permis de mettre en place des dispositifs pour accompagner les athlètes de très haut niveau.